Waouh. Mais à quoi qu'on joue? Nous sommes sur Bad Boy. Bad Boy, Bad Boy, What You Gonna Do? Un jeu à la Shovel Knight. Je vais pas arrêter de faire cette vanne, pardon. Dans lequel on joue une espèce de ninja qui se bat avec une batte de baseball. C'est très très inspiré de Shovel Knight, vous allez voir, surtout visuellement. C'était développé par Sanzai Games, si j'ai pas de bêtises. Ouais, Sanzai Games, en bas c'est marqué. Et édité par X+. Vous me l'envoyez très gentiment, je n'ai même pas demandé la clé, je sais même plus que le jeu existait, du coup merci à eux. Nous sommes en 1.0.1, nous sommes le 24 mai, le jeu sort demain le 25 mai. Je suis saucé. Et on va y jouer une grosse heure, puisque dans une heure et quart, il y a le PlayStation Showcase, donc on ne doit pas traîner. Let's go. Langage. Ah, voilà. Peut-être baisser le son un peu pour vous. Je pense qu'il y a moins de s'amuser, même pour un enfant. Ouais, non, clairement. D'ailleurs, j'ai vu que dans le Game Pass, il y avait le Total War Three Kingdoms et le Total War Warhammer 3. Si je dois essayer le Total War un jour, je passerai par ici, je pense. Bref, totalement hors sujet. Allons-y. Le mode basique. Bon, ouais. Nous jouons avec la manette, avec la DualSense. Je m'appelle Ryosuke. Je suis haïtien. Mon père était un joueur de baseball très célèbre avant sa disparition il y a 7 ans. Ah, j'ai l'impression qu'il y a du. What? Le stream, allô? Voici Saki, ma meilleure amie. On rentre toujours à l'école de vélo ensemble. J'ai l'impression qu'il y a du drop, je sais pas, chez vous. Ah, c'est bon, je crois que ça va mieux. Hop. La journée, on va à l'école, on s'amuse, on fait du sport, mais la nuit. C'est peut-être juste OBS qui me fait des bails. On enfile le maillot et le sport devient notre arme contre la criminalité. Nous devenons des héros. Non, ça va, le stream il ramouille pas chez vous. Hop. À minuit, j'ai reçu un texto de Saki me disant de courir à l'école pour venir en aide à Captain Ace qui avait des ennuis. Du coup, j'ai jamais été suivi avec cette histoire. Mais bon, on a Alice qui fait du sport. Viens vite, Bad Boy, les autres sont déjà là-bas et qui sont des super-héros la nuit. Incroyable. Ok. Ok, tout va bien. Ouais, quand on me la touche du bas, il est en mode. J'aime beaucoup les animations, j'aime beaucoup les couleurs. Ça fait très Megaman, très Shovel Knight. Hop. Captain Ace. Qui est là? Sa dimension a changé depuis ma dernière visite. Lord Vicious. Qu'est-il arrivé à votre sens du style? Tu peux parler, y'a pas de miroir où t'habites. C'est clair, je t'ai cru que tu étais merdigre ou coué. Voilà, j'ai volé toutes les voix à Benzaï, bien sûr. Attends, tu as bien dit cette dimension. Pas très futé, peut-être même un peu lent. Mais ils excellent tous dans leurs sports respectifs. Oui, ils feront des candidats parfaits pour le jeu des ténèbres. Vous avez raison, maître. Là, nous, on va te montrer que j'ai quel haut. Pas besoin d'être un génie en maths pour voir que t'es une minorité. Non, que t'es en minorité, putain, je pourrais, excusez-moi. Je suis en mode what the fuck, le jeu. Pardon. Pardon, j'ai vraiment un bugage mental. Attention, Aquaria. Je sous-estime même l'adversaire. Ne me cancelez pas, s'il vous plaît. Certes, écoute donc les grands sages en pyjama. Rassurez-vous, mes amis, vous faites désormais partie du loup des ténèbres. Tout ceci promet d'être fin, divertissant, oh oui. Signaler, non. Reported, oh là, c'est bon, le cancel. Ça suffit le cinglé, j'en ai assez entendu. On va te botter les trains et te renvoyer d'où tu viens. Du calme, Azaro, s'il faut bien que ces jeunesses se fassent. Joli coup, mais j'ai déjà mon batteur. Tu es libre de partir. Enfant vêtu de rouge. Quant à vous autres, par ici. Au pas de course. China, Igai, Aquaria, Rocket Girl. Attendez, où allez-vous? Ah, il a contrôlé nos amis. Bien, Bad Boy, c'est maintenant ou jamais. Ok, moi je pense que nos potes, ça va devenir les boss qu'on va affronter.
Un truc en vue. Un truc. Ah, c'est un oiseau. Un truc en vue. Un truc en vue. Quoi? Un truc en vue. C'est un perroquet. Ces piafs peuvent répéter des phrases entières. À mort. Attends une seconde. Et petit, tout va bien? Oh non, je crois que je suis allé un peu trop fort. Encore 5 minutes, maman. Tout va bien? Attention, je peux lui faire la voix de Kermit. Oui, mais pourquoi tout est rouge? Tu t'es pris du... Tu t'es pris un coup de soleil? Non, dis, tu sais où est parti le mage qui était là? Qui? Lord Vicious? Tu le connais? Non, mais j'ai comme des souvenirs qui me reviennent. Je pense qu'il t'a lavé le cerveau, comme il l'a fait à mes amis. J'ai peut-être acquis de nouveaux souvenirs. Peut-être, et pas que la parole. La parole aussi, c'est nouveau ça. C'est nouveau pour moi aussi, au fait. Tu sais où on est? On est à Stratos, le Pokémon, vous voyez? C'est la dimension, au Villard Vicious. Je vois, moi c'est Bad Boy, au fait, et toi? Je pense que dans ta langue, mon nom se prononce Garou. Oh, Garou, mais non, incroyable. Enchanté, Garou. Bon, je vais partir retrouver mes amis. Attends, je peux venir avec toi? Je connais personne, moi. Bien sûr, tes nouveaux souvenirs pourraient nous être utiles. Parfait, en route alors. Ok, let's go. On s'est fait un pote. N'hésitez pas à me dire tout ça, son image, hein, si tout va bien. Quand je présente des jeux en découverte, j'aime bien que la qualité soit au top. En tout cas, voilà. On a des gros pixels, de la grosse zik, un gameplay bien défoulant. Vous savez, moi, il m'en faut pas plus pour être content. Ces bestioles s'appellent des porcinées. Elles sont au service de Lord Vicious. Boing. Ah, ce qu'on peut faire... Donc voilà, très très Shovel Knight dans le style visuel, hein, je pense que là vous l'avez capté, mais voilà, même le... Ça c'est très Shovel Knight aussi, le fait de cacher des items comme ça. Shovel Knight, après qui est un joli, même inspiré de DuckTales, Mario Bros 3, bref, Megaman, j'ai pas tous les sites, quoi. Nom d'une mouette, t'es doué. Intermittent du spectacle, ou... Un beau rebond saute et frappe en l'air pour utiliser, ok. Je sais pas si le jeu est sorti sur console par contre, là on y joue sur PC, mais je sais pas si une version. Je sais pas si le jeu sort sur console aussi. Je pense qu'il y a de grandes chances quand même. Hop. On ira vérifier ça en fin de VOD si on y pense. Hop. Vu que j'ai pas pris le temps là. Hop. Une cassette. Mais voilà, c'est vraiment un style visuel. Voilà, si vous mettez Shovel Knight et le jeu à côté, voilà, il y a des chances que vous y trompiez. Vraiment, le style visuel est très assumé. Après, ça me dérange pas si je joue cool. Il assume son inspiration, ça me va très bien, quoi. Surtout que Shovel Knight, c'est vraiment un excellent jeu, donc... Moi, j'accepte d'en manger plus. Hein. Hop. D'ailleurs, le prochain jeu hein, de Yacht Club Game, les développeurs de Shovel Knight, c'est... Alors, je sais plus comment il s'appelle, c'est un jeu avec une petite souris, là. Si quelqu'un peut... Quelqu'un a le nom, peut-être un manchot qui a le nom, peut-être. Faut peut-être le renvoyer. Ah oui, d'accord. Ok, pas bête, on peut renvoyer les projectiles. Oula! Il n'y a plus qu'un cœur, faut que je fasse gaffe. Je crois qu'il est sorti sur Switch et Steam. Ok, bah c'est clairement un jeu qui va se vendre comme des types 1 sur une Switch. Oh, les petits combos. Oh, ça, c'est clairement Mario... Super Mario World. Là. Hop. Évidemment, faut voir si dans le gameplay et tout, il arrive vraiment à se détacher un petit peu et pas juste être un clone de Shovel Knight, mais être un bon clone de Shovel Knight, quoi. Mina the Hollower. Ok, merci, gros bébou, qui a sûrement été... qui sûrement savait le nom, il n'est pas allé le chercher sur Google. Hop. Aïe. Nul. Ok. En tout cas, il y a un mode speedrun inclus dans le jeu, comme on l'a vu à l'intro. C'est vrai que c'est clairement des jeux fun à speedrun dans les Shovel Knight et tout. Hop. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait Shovel Knight, hein, faites-le, c'est un excellent jeu. Ce Bad Boy, on verra. Peut-être qu'on le fera en entier en stream, parce que moi, c'est vraiment le genre de jeu qui... C'est le genre de jeu, je joue tout seul, quoi, c'est vraiment trop plaisant.
Les jeux de plateforme action, moi je kiffe trop ça. Quoi. Les jeux de plateforme tout court. Hein. Hop. Ouais, c'est ça, Mina Lower, The Lower, c'est un Shovel Knight, enfin c'est un Zelda-like plutôt. Avec clairement des inspirations visuelles des Oracle of Seasons, Ages. Hop. Ok, c'est bon. Ah ah! J'aime bien le fait qu'il, aussi qu'il court avec sa batte de baseball sur le dos, comme ça, ça rappelle un petit peu The Messenger aussi. Autre excellent jeu de plateforme rétro indé, très très cool. Hop. Il a été financé sur Kickstarter, la campagne avait bien marché. Celui-là ? Ok, ok. Ou Hop. Boum. Je me demande si notre perroquet va pouvoir faire des trucs cool après. Par contre, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de tuto pour nous expliquer les petites mécaniques. C'est à nous de capter tout seul, ça j'aime bien. Hop. Il y a un truc en dessous là. Alors peut-être pas du tuer le monstre. Attends, si je reviens. Hop. Vas-y, viens la tortue. Hop, let's go. Ok. On va récupérer la deuxième babiole. Oups, non, je voulais pas tomber. Hop, non, bitch, excusez-moi. C'est moi qui suis impatient. Hop. Alors. Pas si c'est moi qui suis impatient ou si juste. Ok. Faut mieux aller avec un saut du coup. Hop. Voilà les checkpoints activés ou non. Selon notre envie. Boum. Oh, les ennemis qui balancent des balles de baseball comme ça. Bah, ça rappelle pas mal Yoshi Island et Mario World du coup. Ah, ok, je vois ce que je veux faire là. Non! Ok. Trop fort. Oui. Wesh. Ah, je voulais peut-être pas les buter, peut-être. Peut-être plus penser pour que je rebondisse dessus. Ouais. Juste, j'ai vu les balles, j'ai tapé, quoi. J'étais plus fort que moi. Hop. Ok, bon, ça c'est déjà pris. Je sais pas qui a composé la musique de jeu, parce que Shovel Knight, je sais plus comment il s'appelle, le compositeur, il est vraiment craqué. Il en fait plein de bonnes musiques pour plein de jeux. Hop. Ok. Il y a peut-être un passage annexe là-haut du coup. Non, j'avais tapé. Ah, y'a un truc en dessous, on dirait. Ah, Jake Kaufman, merci. Il a fait des zigs pour Shovel Knight, Shantae... Les Wings sur Nintendo DS. Hop. Ok.
Ah, d'accord. Ah, c'est ce qu'il fallait faire. Excuse-moi, le perroquet. D'accord. Ok, my bad. Ah oui, d'accord. En fait, on peut maintenir une direction pour... si on veut que la balle aille dans une direction. D'accord. Là, je peux les tirer vers le bas, du coup. Ok. Nice. Oh, le salaud. Doctor, you out. Hop. Ah. Te voilà enfin. Je te reconnais, t'es le bras droit de Lord Vicious. Attention, Bad Boy, Azaros n'est pas de la même trempe que ce petit rigolo. Je n'ai rien contre toi, mais je partirai pas sur mes amis. Utile préoccupation. Dire ta misérable vie s'arrête ici. C'est vraiment méchant. Ok. Non! Zut. On avait presque force try. Ok, let's go. J'aime beaucoup ce qui est vraiment il y a la mécanique du rebond, c'est un de mes trucs préférés de Shovel Knight. Hop, voilà. No hit, mon gars. Ah, j'ai un succès. Mon maître l'avait prédit. Tu seras l'auteur. Quoi tu parles? Où sont mes amis? Chaque chose en son temps. Nous nous reverrons. Est-ce qu'on est manipulé une telle émue? Il est parti. De quoi parlait-il? T'as une idée où mes amis pourraient être? Lord Vicious pariait d'envoyer le grand type en kimono au sommet givré. Chinai Guy, mais qu'est-ce qu'on attend? Il est en danger. Une dernière chose. Pendant le combat, je me suis souvenu d'un truc. Un autre souvenir. En quelque sorte, la technique de lancer de bat qu'Azaros a utilisée. Et alors? Ça s'appelle un bat spin. Et je peux te l'enseigner. C'est vrai, mais c'est génial. Trouve un meilleur endroit pour s'entraîner, veux-tu? Ok. On va apprendre à envoyer la batte. Non, pour faire un batte spin, puis lâche. Attends. Ok. Ah d'accord, ok. Ah, on peut sauter dessus après. Ah, ça peut faire une plateforme du coup. C'est chouette. Bim! Trop bien! Ah, ok, donc il va falloir prendre ça en compte. Essayer de le faire tourner. Ok. Ah, peut-être que je. Ah, c'est cool! Oh, ça, j'aime beaucoup ça. C'est clairement ma cam. Tu peux utiliser le bat spin pour attaquer tes ennemis. Ce bruitage est très fort. Waouh, la map à la Mario! Alors. Alors, sommet givré, taverne Funky. Funky Kong, bien sûr. Bosque venteux, boutique d'Elsia. Voilà. Voilà la taverne. Bonjour, voyageur. Vous auriez bien offert à boire, mais la cave est vide. Il y a bien plus que de la bière au beurre dans la cave. Il me manque quelques ingrédients pour pouvoir refaire mes délicieuses boissons. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voudrez. Ok. Le jukebox. Ok, on peut écouter les musiques du jeu, ça c'est cool. J'aime bien le pixel art. J'adore le pixel art. Oh. Et voilà, vous m'avez l'air d'un brave guerrier. Pouvez-vous m'aider? Shinobi Pixie. Ah oui, c'est Spider Cochon. J'ai perdu mes chiots et chatons, je n'arrive plus à retrouver. Je peux vous dire où je les ai vus pour la dernière fois. J'en ai perdu un au bosquet venteux. Il aime bien se cacher derrière les rochers. J'ai perdu l'une de mes chattes sur la plage. Elle aime sauter dans l'eau. Le premier qui pouffe de rire en chat, il est ban. L'un de mes chiots était dans un palais de glace avec des blocs mouvants.
L'un de mes chats était dans un manoir hanté. Il avait peur des fantômes. J'en ai perdu une en croisière. Elle devait se cacher. Ok, bon bah. On verra quand on les trouvera. Hein. Hop. Bonjour. J'ai vu trois types fort pittoresques. Passez. Ils avaient l'air tout droit sortis d'un autre monde. Je me suis permis de les faire immortaliser sur une toile. C'est quoi, c'est des refs? Rien d'autre jeu peut-être, je sais pas. Ah putain, ah, j'avais pas fait gaffe, il s'appelait Ogross. Ah, j'avais même pas fait gaffe. Ah bah oui, maintenant que tu... Bah oui, maintenant, en plus, je ressemble grave. Ok, ok, bien. Bien, bien joué le jeu. Ok, niveau 2. Ah, quoi que... ah, il y avait la boutique en vrai, j'aurais peut-être dû y aller. Je sais pas si on peut sortir. Bon, on verra après. Hop. Quoi que, en vrai, ce serait con de pas y aller maintenant. On a nos... on a des trucs à utiliser. Allez, on va quitter le niveau. Hop. Alors. Et bienvenue. Parlez. Je suis Elsia, la meilleure herboriste de Stratos. Je prépare des potions de soins avec des graines rouges. Je vends aussi des graines qui peuvent être utiles. Que puis-je faire pour toi? Graines rouges. Tonique rouge. Ok. Ok, oui, mais à quoi ça sert? Ah, ça c'est pour les musiques, ok. Ah, c'est ce truc-là. Ok, ça m'a... On a enlevé une. Bon, c'est peut-être pour me soigner ou pour m'en donner de la vie, on va voir. Enfin, je viens de dire la même chose, mais ou pour m'en donner une vie, c'est plutôt ça que je voulais dire. Quoique non, on a les vies limitées en fait. Enfin, c'est peut-être pour m'en donner de la vie du coup. Pratiquons un peu ce bad spin. Ok. Attends, écoutons la musique un petit peu. Hop. Wouh. Oh. Je le reconnais, ça c'est Mario Bros 3. Hop. Il y a un truc là. Faut peut-être le choper de l'autre côté. Ah ah. Ah oui, j'avais pas vu, il y a des petits scrolling derrière en plus. Hop. Ouh, parce que je jouais souvent ces jeux, c'est des versions un petit peu fantasmées de la palette NES, hein, bien sûr. Une NES ne fait pas tourner ça comme ça. Hop. Et du coup, c'est cool parce qu'ils peuvent se permettre d'avoir un petit côté extravagant de jeux modernes, quoi. Mais en gardant la belle palette. Et ça, c'est bon. Je sais pas ce que vous pensez du jeu pour l'instant, en tout cas moi je suis très saucé, hein. C'est clairement le genre de jeu où j'accroche très vite hein, quand c'est bien fait. Si en général les jeux où je passe mes meilleures soirées quoi. Hop. Hop là. Et je connaissais même pas l'existence du jeu, genre vraiment les développeurs qui me l'ont envoyé trop gentiment comme ça, ça m'a fait trop plaisir. Hop, ça fait plaisir. Alors,
Wouh! Ok. Boisson. Autour. Technique. Ok. Ok. Il faut monter. Ah, il y a un scrolling vers le haut, vite. Faut pas traîner. Non, il y avait une cassette là-bas. On peut peut-être encore la choper. Ok. Ok, nice. Ah oui, merde. Faut que je la laisse. Peut-être celui, il est relou, là. Hop là, ok. Ah, c'est pour tourner en arrière. Ah non, il y a aussi celle-là. Hop. Oh, nice. Récupérer de la vie. Il y a clairement moyen de monter là. Alors, hop. Ok, on y est. Ah, quel con. Hop. Oui. Let's go. Ok. Alors. Boum. De la renvoyer dans leur tronche. Ah, zut. Bim. Crotte. Alors, attention, il y a un scrolling. Parce que dangereux avec le scrolling, c'est qu'il faut aller vite, mais pas trop vite, parce qu'après tu vois pas ce qu'il y a devant toi, donc c'est un peu... c'est un peu dangereux. Ok. Hop, merci. Oh le salaud. Ouh le salaud, il a failli m'avoir. Non, quel con. Ah, c'est bon. Il me restait encore un cœur. Hop. Ouais, les scrolling, c'est vrai que c'est un peu angoissant. Bon, ça, j'aime beaucoup, ça. Le genre de niveau de malade sur Mario Maker, ça. Ça, c'est les genres de jeux trop bien à regarder en speedrun, hein. Il y a moyen de faire des petits tricks de fou avec la batte. Oh, bonjour. Parlez. La pêche, moi c'est Rufus, nomade extraordinaire. Ah, le texte est dépassé de la case. La pêche, toi-même, je suis Bad Boy, et voici Garou.
On n'a pas du point. Ah ouais, la chance. L'aventure loin de chez soi, y'a que ça de vrai. Un vieux village bâti au sommet d'une montagne. Il y fait toujours nuit, étrangement. Un endroit magnifique. Salut, copain. On découvre Bat Boy. Un jeu développé par Swan's Eye Game et édité par X+. Si je me dis pas de bêtises. C'est un jeu très inspiré de Shovel Knight avec des mécaniques de gameplay assez chouettes. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai pas assez de pesos. Zut. Et je crois qu'il file une extension de cœur en plus. En vrai, ça pourrait être sympa dès le revoir. Hop. Ouh. Ah, le boss. Chinai Guy, tu es sain et sauf. Qu'est-ce que tu me veux ? Taro, c'est Ryosuke, dépêche-toi, on doit retrouver les autres. Les autres ? Les vrais guerriers ne comptent que sur eux-mêmes. Reprends très d'esprit, Taro, on n'a pas le temps pour ces idioties. Non, Nazoyon, il n'entend plus raison ce que tu lui dis, bad boy. Assez ! Tu vas payer pour cette info ! En garde ! Je ne vais pas me battre contre toi. Ainsi soit-il, je vais donc t'offrir une mort honorable. Hop, et du coup, la mécanique plutôt cool dans le jeu, copain, c'est qu'on peut envoyer sa batte et rebondir dessus comme ça, bam. Et aussi les rebonds à la Shovel Knight. Et on peut envoyer les projectiles aussi. Alors. Ouais, les boss, c'était les potes. Ça se voyait de toute façon dès le début. T'étais en mode. Les mecs sont trop fait chier à les designer pour pas que ce soit des boss, quoi. Genre, ils ont un trop bon design pour pas que tu les offres, quoi. Hop là, ok, c'est bon. Taro, tout va bien ? Tu es fort, mais pas assez pour faire face à un vrai guerrier. Oh, phase 2. Je te donne une dernière chance de te rendre. Je ne partirai pas sans toi. Alors, à l'attaque ! Bon, je pense qu'il va me fumer. Ouais, bon, voilà. Ok. On va essayer de prendre pas trop de dégâts sur cette phase, du coup. Aïe. Ah, quel con. Bon, bah, tant pis, hein. Aïe. Ah, le crétin. Bon, faut que j'analyse le pattern plutôt que de foncer tête baissée, là. Mais ça aurait été bien si j'avais vu... Par contre, y a pas le système de loot à récupérer une fois que t'es mort de Shovel Knight, là, qui ont repris à Dark Souls. Ça, c'est plutôt... Ça me va très bien. Hop. Ok. Donc on a fait la première phase en no hit. Il faut faire gaffe au moment, il va faire un gros jump. Ok, ouais, voilà. Ok, en plus il claque des sorts, ok. Ah, le salaud, il me saute dessus. Ok, faut pas que je saute quand il saute, sinon c'est trop le piège à con. On va faire gaffe. Ah, tu lui mets bien cher quand tu mets le truc rotatif dessus, là. Hop. Ok, c'est bon, là. C'était plutôt assez équilibré comme combat, j'ai bien aimé. Taro, s'il te plaît, dis-moi que tu m'as pas oublié. Bad Boy. Oui, c'est moi. Content de t'avoir parmi nous. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Lord Vicious, ce vilain, je t'ai lavé le cerveau. Ouais, ce type est un vrai oiseau de malheur. C'est marrant parce que... Je rêve ou ce père vient de parler, là. Non, tu ne rêves pas. Je t'expliquerai plus tard. Je me sens encore un peu faible. Repose-toi. Je perds devant. Rejoins ma cantine, mieux. Ryosuke. Merci. Ouais. T'aurais fait la même pour moi.
Laisse-moi te montrer une technique qui m'a bien servi. Oh, ça c'est cool. Appuie sur RB pour faire un slash bash, briser les rochers. Ouah, trop bien. Ah oui, c'est un peu comme, je crois que c'est Spectre Knight ou King's Knight qui a ça dans Shovel Knight. Non, c'est pas King's Knight plutôt. Frappe la plante, hop. Ouais. Ouais, soit ton endurance. Ok, d'accord. Ok, c'est de l'endurance, d'accord. Utilise le slash bash pour sauter par-dessus les pics. Enchaîne plusieurs slash bash pour sauter plus loin. Oh, lourd. Si tu slash bash vers l'ennemi, tu es projeté vers le haut. Ok, trop trop bien. Synchronise ton slash bash pour frapper un ennemi. Aïe. Bien joué, fais attention à toi et bonne chance. Merci mon pote. Le boss qui est vente. Ouh, j'aime beaucoup à quoi ça ressemble. Quoique, en vrai, on va retourner à la taverne, il y a peut-être du neuf pour nous. Hop. Peut-être que notre pote nous attend là-bas maintenant. Bonjour voyageur. Vous aurez bien offert. Ah oui, il est là. Quel endroit apaisant, parfait pour une méditation. Et joins-toi donc à moi, ça te relaxera et t'aidera à te concentrer. Je n'ai pas arrivé à me relaxer tant que les autres sont en danger. Ok. Ouh. Ah, les mécaniques sont cool. Hein. J'aime beaucoup celle du lancer de batte, parce que c'est la plus originale ce que j'ai vu. Hop. On va garder les sous du coup si on revoit le vendeur là, pour être pratique. Ok, let's go. Fondons la Zikmu. Ok. Une petite sauce avec Icarus là. Sérieusement, comment tu fais ça? Humour un petit peu méta, bien sûr. Hop. Ah zut, ça marche pas comme ça. Hop. Oh le salaud. Ah zut. Alors. Galère un petit peu là. Ok, non, faut plus que. Faut que j'attende. Voilà, là tu bouffes. Hop. Alors j'aurais pu utiliser ma batte aussi. Hein. Attends que j'y pense. Hop. Oups. Ah bah, je crois qu'on aura pas trop le choix du coup là. Hop. Ok. Hop. Ah bah oui. Non, j'ai du mal à sortir des échelles par contre. Ça va peut-être de la manette après. Hop. Va-t'en la porcinée. Winnie. Hop. Boum. Bonjour. Salut Nesca. Nice haircut. Merci, ouais, j'aime bien me les coiffer comme ça en ce moment. Ça va plutôt bien. C'est vrai que depuis que j'ai les cheveux longs, je savais pas trop comment me les coiffer en fait. Genre, j'aimais bien avoir les cheveux longs, mais j'arrivais pas à trouver une coupe qui me sied. Mais là, vu qu'ils sont assez longs devant et tout, j'aime bien les mettre comme ça. Hop. Bon voilà, on découvre petit à petit, hein. 25 ans d'existence avec des cheveux bouclés. Il faut bien tout redécouvrir. Hein. Hop. Alors. Comme vous, quand vous êtes devenu chauve, fallait bien trouver une technique pour vous coiffer. Avoir une belle coupe de cheveux chauve quoi. Hop.
Tu vas avoir des problèmes. Des fois, les bruitages sont un petit peu trop forts, pas grand chose. Hop, on va les abaisser un petit peu. Hop. On est sur une découverte de Bad Boy. Tu vas finir comme de Chavan. Hop, un platformer avec des grosses vibes Shovel Knight. Ok, on incarne un héros qui a une batte de baseball et qui doit sauver ses potes. Alors. Et je suis pas doué sur cette phase. Je crois qu'il faut mieux attendre que le vent s'en aille. Putain. Ok. Ok, c'est bon. Non. Allez, c'est bon. Non, je voulais rester en bas. Oh, tant pis. Faut pas que je puisse remonter du coup. Ouais, non. Alors. Voilà, faut vivre dangereusement pour essayer de choper celui-là. Alors. Oh putain, fou, c'est pas passé loin. Ok. Clairement un truc en bas, mais bon, tant pis. Regarde, ces cristaux qui brillent, sautons dedans sans penser au lendemain. Okay. Oh, il y a un chat. C'est bon, on a trouvé un des chats du bonhomme. Hop, ouais, c'était peut-être un chien, ouais, je sais pas. Ah, il y avait un truc. Hop. Ok, ah, là, il y a un truc aussi. Alors, est-ce que ça dure tout le temps? Ok, c'est bon. Hop. Wouh. Oh, le salaud. Ah ah! Bam! Derrière tout moi! Wow! Ok, d'accord. Okay. Wow. Oh là là, oh le crétin! Ouais, genre, on fait ce qu'il fallait pas, quoi. Alors. Let's go! C'était totalement pire ce que je viens de faire. Oh putain! Aïe! Ok, ça devient dur. D'abord, comme dirait Patrick Bruel, c'est pas pour me déplaire. La difficulté, voilà, à Monaco, c'était avant. J'étais dans les derniers, j'ai fini en deuxième place. Ah! Putain, hop là, let's go! Ok. Bim! Par contre, je me demande s'il n'y avait pas un autre truc là-bas. Bon, tant pis, c'est trop loin. Hop! Ouais. Aïe! J'aurais pas dû m'embêter. Hop! Ok, let's go. Oh le combo là.
Let's go. Bim. Hop. Bon, vous êtes hypé pour PlayStation là, non? Je viens de dire PlayStation. Pour la PlayStation dans 30 minutes. On est là. Hop. Même si Nintendo le veut pas, nous on est là. Alors, bim! Wouh! Ah! Ok. Oup. Vous pensez qu'ils vont annoncer enfin les premiers jeux PS5? Vous pensez qu'ils vont annoncer qu'il y aura des jeux sur la PS5 maintenant qu'elle est sortie depuis 2 ans et demi? Hop. Hop. Wouh. Starlet World, tu es vivante. Vivante et occupée. Pas le temps pour un autographe aujourd'hui. On est vite sauvé, Sora. Tout va bien? Oh, puis Sora, mais voilà, il y aura le trailer de KH4 juste après. Voilà, c'était une confirmation. Avant que vous ayez un avion sous la main, vous ne me servez rien. Je me suis réveillé dans cet endroit répugnant, il n'y a même pas de Wi-Fi. OMG, j'ai pas posté de story depuis 10 heures. Où est cet idiot de manager? Il faut vite qu'on me sorte d'ici. OMG, j'imagine que je suis condamné à rester ici à tout jamais. Je peux pas aller dans un endroit pareil, il n'y a pas d'araignée, hein. Bad Boy, elle ferme jamais son bec, ton ami. En plus, elle parle plus qu'un perroquet sous stéroïdes. Quel le jeu. Oh, un perroquet, qu'il est mignon, je vais t'appeler Peachy. Ouh, c'est la vilaine, qu'on me plume si je dois encore t'écouter pas y piailler. Oh, Peachy, t'es vraiment pas gentil, je vais t'enseigner les bonnes manières. Ok, la bagarre. Oh. Ouf. Nul. Hop. Let's go. La bagarre. Ok, on la fume. Ça valait pas très dur en vrai sur sa première phase. Hop. Ok, deuxième phase maintenant. Ah, le doux son du silence. Désolé, Sarah, tu es de retour parmi nous? T'es content de toi? T'as réussi ton coup? Ma mise en pli est foutue. Oh oh, pitchy à part. Ok. Vous allez me le payer! Hop, j'essaie de lui. Faudrait que je lui fasse un petit peu la voix dans Rayman 3 là. Allô, c'est toi, Marie-Clotilde? Hop. Ya! Ouah! Ah merde! Fou, c'est bon, je l'ai vu. J'ai bugué, j'ai plus vu où était mon perso. Hop. Qu'est-ce qui se passe, Bad Boy? Je me souviens, j'ai perdu le contrôle de mon corps. C'est le mage qui a apparu à l'école. Il t'a lavé le cerveau. Et t'es venu me sauver, tu es si courageux. C'est normal, voyons. Normal. On a bien une feuille, laissez nos plumes. Il est mignon, ce petit moineau. Ah, oui, voilà, Peach. Je veux dire, Garou. Enchanté, Garou. Ouais. Ryosuke, je pense que ta garde-robe manque un peu de ruban. De ruban? Tu vas adorer. Mmh. Ah, un nouveau, nouvelle capacité, let's go. Appuie sur, pour t'accrocher à une branche. Ah, attends, quoi? Ah d'accord, le tuto, il était un peu trop haut, je voyais pas. Ok. On peut s'accrocher à des trucs.
peux aussi lancer en diagonale vers l'ennemi. Attends. Attends. D'accord, ok. Pitch, 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 ou net. Je l'attrape un ennemi, puis sur la branche au-dessus de lui. Ok. Ok, ok. On peut pas le faire à l'infini, hein, ça, comme somme de l'endurance, comme l'autre capacité. Mais c'est plutôt cool, le gameplay, il se varie un peu plus chaque fois. Ah non, peut-être... voilà. Oh. Ne regarde pas en bas. Oups. Ouh, bien joué, Bad Boy. Let's go. On a... Ouais, c'est dans 25 minutes, je sais pas si on a le temps de se refaire un niveau. Hein. Peut-être juste se balader. Peut-être refaire le premier stage. Quoique, on va voir. Mais je pense qu'on va refaire un autre stream dessus, ça me sauce bien, bien, bien. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse tout le jeu en stream si ça continue comme doc. Hop. Ah, d'accord, ok. Okay, je pense que c'est clairement un délire, il faut utiliser toutes les capacités qu'on a apprises. Donc ça, je sais pas si on... Je sais pas s'il y a vraiment moyen de le faire là, parce que c'est quand même blader. Ah oui, ok. Oui. Ah putain. Bah ça va bien faire passer le temps jusqu'au PlayStation Showcase, ce truc. Alors... Putain. Merde. C'est dur. Oh, c'est la bonne! Oui! Ah, c'est pas fini, merde! Ok. C'est un stage bonus. Ah putain, si je perds, faut recommencer tout. Bon, au moins on aura fini la première phase. Ok, faut que je saute au milieu. Faut que je chope le milieu en fait. Quand je fais le grappin là. Hop. Ah, sinon ça le fait pas. Ouais, mais c'est un stage bonus ça. Je pense que ça c'est pas un stage principal de ce que j'ai vu sur la map. Donc ça va. C'est clairement si tu veux te la donner quoi. Ça va te donner. Ok. Que j'appuie sur... Ouais. Ok. Tac. Tac. Voilà. Ok. La suite. Non. Ah ouais, d'accord. Ouf. Ça fait peur le bruitage, là. Ouais, ça me surprend. Ah, quel con. Ouais, bon, on fera ça plus tard.
peut-être des trucs pour que ce soit un peu plus simple. Hein. Ok, ok. Du coup, il y a une espèce de parcours. De parcours spécial. Gourmand, ça s'appelle. Ok. Bord de mer. En tournant la taverne Funky Kong. Toujours pas de boisson, toi? C'est quoi cette playlist? Pas de Zumba, de DM, ni de K-pop? Comment je suis censé pratiquer mon aérobic sans bonne musique? Quelqu'un pourrait me filer un coup de main pour le déverrouiller? Ça va, Garou? T'as une poussière dans l'œil? Mais non, pas de familiarité. Hop. Hop. Ah, il sait qu'on a ramené un animal. Et là, vous m'avez l'air d'un brave guerrier. Ah voilà, on pète the dog, bien sûr. Peut-être essayer de rechoper le vendeur là si on fait vite. Hop. Je suis curieux de ce qu'il nous vendait là. Hop. Et maintenant qu'on a toutes nos nouvelles capacités, ça va peut-être aller un petit peu plus vite. Non. Ouais, ça va plus vite, genre ce passage-là, fallait faire avec la batte avant. Hop. Oh le crétin, non. Ok. Hop. Je vais me faire attention. Attention. Hop. Hop. Ok. Boum. Où était le vendeur? Je crois qu'il était pas loin. Ah, ce passage-là, il était dur. Hop. Ah, il était pas genre là-haut. Non, c'est peut-être pas encore ici, je suis bleu. On va voir. Hop. Non, c'était pas encore là. Hop. Merde, le crétin. Hop. Ah, je peux pas faire le dash en là-bas, je suis bête. Ok. Hop. Ok. Hop, les... Alors, où était le vendeur? En hauteur, je me souviens que c'était un passage annexe vers le haut. Oula, oula, tendu.
Ok. Parce que vraiment, s'il nous vend un truc genre craqué, genre une extension de cœur ou de ou d'endurance, moi je dis pas non. Hein. Hop, zut. Ah, il était là-haut, je crois. Ok. Oui, il est là. Bonjour, messieurs. Acheter une graine dorée. Ok. Et du coup, ça fait quoi? Bizarre. Et si je quitte, est-ce que je l'ai encore, du coup? Ouais, c'est bon. Peut-être pour ici, je sais pas. Tiens. Par contre, on voit à quoi ça sert ces graines. Ah, c'est bon, on a les trois. Du coup, on peut acheter un tonique rouge. PV max. Ah, ok, let's go. C'était bien pour ça. Ok, cool. Ok, maintenant, on a quatre. On a quatre slots de cœur. Bah, ça, c'est bien. Ok, bah, merci d'avoir suivi cette découverte de Bad Boy. N'hésitez pas à aller choper le jeu qui sort demain, s'il vous sauce. Qui sort demain donc sur PC et Switch, selon Manchot. Mais en tout cas, il y a clairement moyen qu'on y en joue, parce que moi, ça m'a grave saucé. Et c'est clairement trop ma cam. Du coup, je suis trop saucé d'y en jouer. Je pense qu'on se fera ça assez proche, assez bientôt. Hop. Mais nous, on va se quitter, parce qu'on doit aller voir le PlayStation Showcase. Des bisous à ceux qui regardent ça en VOD. Au revoir.